reborn. Wow, mon érudition. C'est la partie 2. Bonjour frère et soeur. Bienvenue sur ce point. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir des jeunes gens qui voulaient devenir riches, tellement riches qu'ils ont décidé de sacrifier leurs parents. Mais parmi ces gens, il y a un qui a refusé de le faire. Il a refusé de donner sa mère. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était frappé de folie. Il marchait dans la rue comme ça. Il marchait dans la rue. Quand un homme dans son véhicule l'a vu, et il a décidé de lui poser des questions. Et c'est sorti. Oh, sérieux? Tu vas mettre au monde cet enfant, on va chercher à des sacrifices plus tard. À quoi ça sert? Je suis vraiment étonné. Et ces gens-là sont jeunes. Il y a même un parmi ces gens-là qui a 24 ans. Et ça se passe au Nigeria. Ça se passe où? Au Nigeria. Si vous avez l'habitude de les appeler les brouteurs en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on les appelle les Yahoo Boys. Les Yahoo Boys. Yahoo Yahoo. Et regardez. Vous voyez ça? Money Ritual. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha! L'argent du rituel. En français. Regardez le gars. Regardez le gars. Il est entouré d'un groupe d'amis qui s'appelle les VIP Boys. Et il se disait qu'il allait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Mais ce qu'on lui a demandé de faire vraiment, ça l'a dépassé. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un début de folie. De côté, si on voit un jeune homme de 24 ans, que la police a attrapé, et regardez ce qu'il tient dans la main. Les habits de ses parents, genre son père et sa mère, quoi. Il se préparait à aller les sacrifier. Seigneur! Et ils ont été attrapés dans un groupe de plusieurs personnes. Genre, des brouteurs remplis dans un hôtel. Il peut y avoir peut-être jusqu'à 200 brouteurs comme ça, dans un hôtel de luxe. Et la police, un jour, débarque là-bas et attrape tout le monde. Et on découvre les gris-gris, tous ces genres de choses-là, là-bas. Et dans la main de ces gens, ces jeunes gens. Vous serez surpris parce que vous allez voir des... Venez. Comme vous savez, ça ne rigole pas chez nous. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous avez ce qu'il a dit? Il dit qu'il a eu beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'objets précieux. Il a eu aussi un iPhone 12 Pro Max. Et t'as des choses. Et il parle ainsi. C'est ce qu'il a pu obtenir de ce qu'il a fait avec le boutage. C'est ce qu'il a dit de dire ici. Le monsieur lui demande, mais qui sont les gens qui te demandent d'envoyer ta maman? Il dit, ce sont les VIP boys. Genre, les garçons VIP. C'est comme ça, ce gang-là se fait appeler. Et lui, il a refusé de donner sa maman. Vous voyez, il dit qu'il a refusé de donner sa maman. Il lui a dit quoi? Ils lui ont dit, est-ce que tu es prêt à donner ta maman? Il dit non, je ne veux pas donner ma maman. Et ils lui ont demandé qu'il donne, s'il ne donne pas sa maman, qu'il donne son sexe. Il dit qu'ils lui ont demandé d'utiliser son sexe pour de l'argent. Et là, il demande de la nourriture même à ces gens-là encore. Parce qu'il a été frappé, ils l'ont laissé là. Et il a besoin de nourriture.
a dit que t'es mignon. T'es pas mignon. Je me suis mignon. I flex. I go Abuja. I job. I go to Beyon. I go to the Republic. I fuck. What's the I'm mad. Mouh, vous avez entendu ça? Il dit avec le boutage, avec cette histoire de Yahoo Yahoo là, lui, il a fait beaucoup de choses, il a eu de l'argent, il s'est amusé, il a fait beaucoup de choses, il a même couché avec les filles. Mais aujourd'hui, il dit, mais aujourd'hui, je suis fou. Allez, revenez un peu en arrière. Ce que vous comprenez, vous pouvez bien comprendre encore. Écoutez bien. C'est-à-dire qu'il y a le boutage, il avait beaucoup de choses, il avait tant de choses dans ça, mais aujourd'hui, il est fou. Il dit qu'il gagnait les 5 millions, les 10 millions, il gagnait beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, regardez, il dit qu'il a même couché avec des filles. Jésus. What is your name? What's your name? Quel est ton nom? Success. Il dit qu'il s'appelle Succès. From Success. D'où viens-tu? Et le monsieur lui donne de l'argent pour qu'il puisse manger quelque chose. Il dit, je te donne cet argent de mon cœur. Just manage it here, please. Don't worry, you'll get well. You will. Un gars qui touchait des millions. 10 millions, 5 millions. Regardez. Ça veut maintenant un billet de peut-être 2000, va se gérer. Non, vraiment la vie. Hein. Yeah, I don't want to give my mom. Thank God. Je ne veux pas donner ma maman. Go to look for a church. Il faut que je cherche une église. Ok, you know what you did? Go to a church, eh? Look for a church, a strong church. And go to the church. Je cherche une église forte, une église vivante, une église puissante. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Avec cette sorte de boutage. Il s'est amusé, il a fait le show, il a couché avec les filles, il a eu des iPhone 12 Pro Max. Mais aujourd'hui, il est fou. Seigneur. Et dans le groupe des personnes dont je viens de vous parler, les personnes qui ont été attrapées à l'hôtel, les bouteurs là, il y a aussi ce jeune homme. Lui, il allait tourner son père et sa mère en même temps. En utilisant quoi? Leur vêtement. Regardez. My name is Oscar. I'm here because my friends know. So I'm here to use it for illegal means to make money. So that's what I'm here, sir. How did you bring them? Okay, I brought them yesterday night. To do Il a envoyé ça pour faire money ritual. Il y a des rituels d'argent. Je lui pose la question, quel âge as-tu? 24 ans. Où est-ce que ça va? On demande. Celui-ci appartient à qui? Il dit que ça appartient à mon père. Jésus. Et l'autre appartient à sa maman. Donc le premier appartient à son père. Et l'autre appartient à sa maman. Il veut utiliser les deux vêtements. En fait, ses parents veulent les livrer au diable pour de l'argent. L'argent du rituel. Hey, Seigneur Jésus, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qui se passe, non?
Et ça se passe au Nigeria. Au Nigeria, là-bas, la police est levée hein, pour arrêter toutes les personnes qui se trouvent dans une telle pratique. C'est pas de la blague, des. C'est souvent ici, dans certains pays même, on voit des gens, des jeunes gens, venir avec beaucoup d'argent, jeter beaucoup d'argent devant nous. Quand les gens regardent cela, même quand la police regarde cela, la police dit aïe, 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 cela va mener des enquêtes pour vous chercher. Mais le problème, c'est que ça circule sur Internet. Et d'autres jeunes veulent aussi entrer dans le game. Et ils se disent qu'ils sont prêts à tout pour le faire. Ils sont tout, prêts à tout pour avoir ça, pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout, même s'il faut tuer. Le gars, il va livrer son père et sa mère. Son père et sa mère, les deux qui lui ont donné naissance là. Ce sont ces gens-là qui vont aller à ça, ils vont les sacrifier. Et est-ce que vous voyez le bon sur le visage? Non. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, écoute, quand une fois que tu les auras sacrifiés, hein, toi, tu auras toute la thune. Maintenant, l'argent là va te consoler. C'est l'argent là qui va te consoler, c'est les millions là qui vont te consoler. Mais le gars qui est là, lui, il avait des millions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'a rien de fou. Il a commencé le travail, il gagnait de l'argent et tout ça. À un moment donné, au lieu de demander de sacrifier sa mère, il dit, oh, je ne peux pas. On dit, d'accord, si tu ne veux pas sacrifier ta mère, il faut donner ton sexe. Il dit, ah, vous êtes des malades. Tout de suite, il est fou. Il était frappé de folie en même temps. Et il dit qu'il faisait partie d'un gang qui s'appelait les VIP Boys. Sans doute, ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, hein. Instagram et tout ça. C'est le plus caché. Mais regardez comment il est devenu. Je vous laisse regarder ça encore. Un étudiant. Who are the people that say you should bring your mother? The VIP boys. VIP Avalon boys. That's my precious mom, which I said no. No, he refused. Non, je suis venu sa maman. Même son sexe. How they make your big dick? Elle demande de jouer son sexe. Ah. Il lui dit maintenant le boutage ce n'est pas bon. Alors Yahoo, il avait des millions, 10 millions, 5 millions de flèches. Il avait des vraiment, il avait des iPhone 12 Pro Max. Mais aujourd'hui, je suis fou. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il est fou. Quel est ton nom? Success. Quel est ton nom? Mon nom c'est Succès. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.